Zibola, Arafat et Bordeaux, ils se sont croisés à la Ferrari à Abidjan. Ferrari, à la Ferrari, intimidation, provocation, respiration, la boîte était jazzée. Coup de poing, coup de bouteille, coup de verre, même coup de table, la boîte était jazzée. On a séparé chacun de son côté. Du sang dans la bouche, la frustration enflue sur le côté. Moi, mon grand-père m'a dit, si tu vois quelqu'un qui est mince, il est mince, il est très très mince, avant de l'affronter, faut lui demander si c'est maladie ou c'est naissance. Si tu dis c'est naissance, donc faut mouiller de lui. On doit faut mouiller de lui. Aïe, faut mouiller de lui. Aïe, faut mouiller de lui. Aïe, faut mouiller de lui. On doit faut mouiller de lui. Zouglou, c'est. Au lieu de prendre exemple comme vos grands frères du Zouglou, on n'a jamais vu ça dans le Zouglou. Hein. Pourtant, les Zouglou mentent toujours, ils sont en mode belé. Mais ça leur coupait les calés qu'on voit ça. Aujourd'hui, c'est la suite de l'affaire, de la bagarre entre Arafat et de Bordeaux, Likoufa. Parce que hier, la vidéo que j'ai faite, c'était pour présenter les faits tels qu'ils sont. Voilà. Après, chacun est venu donner son point de vue. Non, c'est comme ça, ce n'est pas comme ça. Quand il y a bafou, chacun va donner sa version ou c'est lui qui est, ça l'arrange. Donc, dans cette vidéo-là, ça va se savoir. Parce que hier nuit, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de fans d'Arafat, beaucoup de fans de Bordeaux, beaucoup de fans du coupé des calés en général. Et dans cette vidéo, tout va se savoir. Parce que ce qui arrive derrière, mine de rien, c'est dangereux. D'ici là, je laisse la parole à Elun Kifnobit qui a fait un petit freestyle. On continue. Ils ont twingué la bouche de Morola. Ils ont dungi la bouche de Morola. La bouche, ils ont dungi la bouche de Morola. La bouche, ils ont. Tu es méchant, tu es sorcier. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de fans du coupé décalé, beaucoup de fans d'Arafat, beaucoup de fans de Bordeaux. Dans l'ensemble, beaucoup sont mécontents de leur propre artiste et ils demandent aux youtubeurs de Côte d'Ivoire, en ma personne là, moi, de parler à Arafat et de Bordeaux pour qu'ils changent. Mais je suis désolé, leur comportement ne dépend pas de nous. Des gens à qui Drogba a parlé, des gens à qui Alpha Blondy a parlé, des gens à qui Asalfo a parlé, des gens à qui leurs parents même ont parlé. Vous voulez quoi? Ils n'ont pas changé. Drogba a dit « grandissez ». Ils n'ont pas changé. Parce que c'est pas nous les youtubeurs. Vous pensez que souvent c'est nous on anime les clashs. On anime certes, mais c'est pas nos mots là qui vont changer les comportements, les mœurs, les tendances. Parce que ce qui arrive derrière, ce que j'ai appris hier, ce n'est pas bon. Beaucoup voient ça en du buzz. Bon, Arafat et de Bordeaux, ce sont les rois du buzz en Côte d'Ivoire. Mais on a bien vu la bouche d'Arafat enflée. Et ça, ce sont les fans d'Arafat même qui m'ont envoyé cette image disant on est déçu de l'artiste. Yoro! Les fans sont découragés de toi. Ceux qui font les vidéos, ils vont pas te le dire. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages ici hier. Les gens sont découragés de toi. Tu es un grand artiste. Tout le monde est concentré sur moto. Tu vas répondre aux provocations de Desbordeaux. Il y avait eu première provocation où on t'a dit faut pas chanter pendant 6 mois ou 1 an. Là, tu n'as pas relevé les défis. Ça t'a pas tué. Hein? Mais Desbordeaux est venu dans la boîte parce que quand tu écoutes les explications de Desbordeaux, tu as l'impression que c'est Desbordeaux lui qui a cherché la paca. Hein? Il dit, ça allait m'asseoir à côté de lui. Et puis, on respire. Donc, Yoro, c'est vrai, tu as Arafat. Mais je sais pas, tes fans sont découragés. Desbordeaux aussi, Desbordeaux. C'est vrai, toi, tu as dit depuis longtemps, toi, tu es un psychopathe. Hein? Tu ne donnes pas non. Mais Desbordeaux. Arafat, c'est ton petit frère. C'est toi qui es le grand frère, les gens sont découragés. Et puis, votre histoire de chaque fois, on fait sortir âme. Rappelez-vous, hein, quand on était petit, souvent tu es en train de t'amuser, coup de poing avec ton ami, hein, palabre amusement comme ça. Et puis, dans amusement, quelqu'un voit un vrai coup. L'autre, automatiquement, dans sa tête, on n'est plus en train de s'amuser. Hein, lui doit t'en chéqueter à diabler un, à diabler deux aussi. Et dans amusement qui était au départ, après ça devient autre chose.
Vous sortez les armes, vous sortez les armes. Arafat, tu as déjà sorti ton arme. Debordo, tu as déjà sorti ton arme. D'amusement, amusement, un jour, quelqu'un pris de frustration, zier de foule, colère, un peu de haine, il va tirer. Soit Arafat va se retrouver en prison, Debordo va se retrouver en prison, pendant que l'autre sera mort. Et puis c'est le coupé de Calais qui sort perdant. Moi, cette situation-là, si vous avez vu ma vidéo, j'ai commencé par rigoler. Je préfère qu'on en rigole, parce que ce qui est derrière... Hier, j'ai parlé avec des proches à Arafat. Ils sont pas contents. Voilà. Arafat n'a pas fait sa vidéo, certes, pour le moment. Ce qu'il a fait, c'est... Les fans, je vais bien, je vais bien. Mais dans je vais bien même, on voit qu'il a été englobaté, il a été enflé. Soyons clairs. Et ça, c'est les fans d'Arafat même qui m'ont envoyé la photo. Arafat est enflé. Donc, on dit Arafat, pour le moment, il ne peut pas trop parler. Carmen Sama est en train de masser sa bouche. Elle est en train de masser l'eau chaude, un peu de matatone. Quand sa bouche va se rétablir... Il va faire direct. Sinon, s'il parle à l'air là, c'est pas Bongo, c'est pas Bongoanou. Voilà. Je ne prends pas parti dans ce conflit, dans cette opposition. Mais c'est pour vous dire. Déjà même, les Béninois, les Camerounais, les Togolais, les Nigériens, quand vous voyez ce genre de situation, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la musique ivoirienne. Et puis ce que ces deux-là vous font penser de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai regardé une prédication de Marcelo Tounati où il dit... Le tchatcholi, l'abus vestimentaire au Congo, c'est venu des musiciens, des chanteurs que tout le monde adulait, que tout le monde regardait. Et puis après, ça a contaminé toute la nation, c'est resté sur le Congo. Donc, ce que vous êtes en train de faire, Arafat et Debordo, c'est vrai, après Debordo s'est excusé hein, dans son direct d'avoir fait couler le sang d'Arafat, ben c'est déjà fait, c'est vilain pour l'image de la musique ivoirienne, c'est vilain même pour la Côte d'Ivoire, parce que après Drogba, Alpha Blondy, Asalfo, c'est fou franchement. J'ai pas envie de prendre parti. Que tu sois fan d'Arafat, c'est ton affaire. C'est vous-même qui m'avez envoyé les vidéos hier où ils ont flé la bouche d'Arafat. D'autres même disent Arafat et Debordo, s'ils sont trop fâchés, s'ils se sentent trop américains, comportement américain, allez vivre aux États-Unis et puis laissez la nation respirer. C'est dommage, c'est dommage. Maintenant, ce qui arrive derrière ça, Debordo a dit quoi dans son direct? Ce qui m'étonne, ce qui lui fait mal, c'est pour les proches d'Arafat. C'est lui. Où ils vont se croiser? Arafat aussi, il a fait un petit snap. Ouais, si je vois quelqu'un, où je suis? C'est gâté. Je tombe sur lui en même temps. Quelqu'un avec qui il a Discord. Il parle de Moulard. Il parle de Debordo. Il parle d'Ariel Chenet. Il parle de Safarel. Il parle de Serge Beno présentement. Donc, où il les voit? Où ils savent que Arafat est? Faut pas, eux, ils vont rentrer. Tu as vu? Bon, soit tu as peur de la confrontation. Ou bien toi-même, tu t'es un esprit. Il dit, c'est le game. Et puis après, il dit, c'est la chanson. Mais chantez, quelle histoire d'aller vous battre. Yoro, moi, je sais, vu comme Debordo a expliqué, que c'est Debordo qui est venu te provoquer. Arafat, moi, je sais. Voilà, façon, il a expliqué. Façon, les gens aussi m'ont expliqué. Mais tu n'étais pas obligé de répondre. Tu vois, il t'a dit, fais 6 mois sans chanter. Tu n'as pas réagi. Maintenant, cette fois-ci, il vient à côté de toi. Ici, c'est moqué. Oh. Toi, tu sors ton âme, tout ça. Bon, c'est pas truc. Hein? Et puis après, maintenant, les fans... Vous avez coupé les calés là. Ce que vous ne savez pas, on est en train de tuer le mouvement même. On est en train de tuer. Parce que tu vas quitter ton pays, tu vas aller signer dans une maison de production ailleurs. Quand ils vont taper sur internet, couper les calés, c'est clash à la fin de Bordeaux. Telle a sorti âme. Ça salit l'image de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un de mes éléments. Il allait draguer une Camerounaise. Il allait draguer une Camerounaise. Et le mousseau lui dit, oh, vous les Ivoiriens, c'est toujours les problèmes, c'est toujours les clashs. Aka, je veux pas des Ivoiriens, hein. Tu vois? Donc, à cause d'Arafat et de Bordeaux, à cause des clashs sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de salir l'image de la Côte d'Ivoire, l'image de la musique ivoirienne. La musique ivoirienne, il y a longtemps même, là, ça tergiverse. Voilà. Maintenant, ce qui va se passer après, les gars d'Arafat sont prêts, les gros bras. Moi, ce qui m'étonne, vous parlez sur les réseaux sociaux directs, je te menace de Bordeaux, je te menace Arafat. Mais battez-vous un contre un, ouvert. Quelle histoire de gros bras qui vont s'englobater, qui ont commencé à pomper, qui ont commencé à prendre les caissières. Quand on était petit à l'école primaire, il y a un coin, on appelait caca sport. C'est-à-dire quand tu dois te croiser avec quelqu'un, vous êtes insulté en classe et qu'à 17h, vous devez vous laisser. C'est pas une histoire de viens mon bon yin. Hein. C'est pas une histoire de parler des microbes. Hein. C'est pas une histoire de bafou de groupe. Hein. C'est 1 contre 1. On se laisse au caca sport. On était petit, c'est quoi? On a grandi. Un bon ivoirien. Maintenant, vous, en affaire de Bordeaux, vous voulez vous englobater en temps en temps. On a vu une vidéo sur les réseaux sociaux, quelqu'un a filmé. Debordo marchait seul. Arafat, il faisait parler à Baye, je ne sais pas qui. Bon, c'est là, 1 contre 1, affrontez-vous. Quelle histoire déjà est venue à Global Arafat? Parce que vous ne savez pas, ceux qui se rapprochent un peu trop d'Arafat et de Debordo, genre, ils vont prendre les points.
Un jour quoi, tu seras là et puis c'est la tombance. J'ai dit, tu n'as rien à voir même avec les discours. Hein. Une petite go, ils t'ont pris pour te déposer à côté. Tu vas prendre une bouteille cassée ou bien un verre cassé dans ta bouche. C'est ce qui arrive. Mais les morts d'Arafat actuellement, là, on dit oh, quoi, c'est des Bordeaux. Oh, c'est pas une histoire, on s'est vu dans la boîte de nuit. Hein. On dit, c'est que tu ne sais pas, des Bordeaux, les Koufa, où les gars vont te croiser. Ouais, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Ils vont grouper sur toi. Ils ont l'intention de te faire du sale et de filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ce qui t'attend, des Bordeaux, les Koufa. Des Bordeaux aussi, je sais que toi, tu es nous. Si c'est un contre un avec Arafat, de toute façon, moi, regarde tes doigts, des Bordeaux. Il regarde tes doigts, il sait que un que tu as envoyé, et puis bouche d'Arafat t'a enflé, et que ses propres fans m'ont envoyé sur le numéro WhatsApp de la chaîne. C'est pas quelqu'un, hein? C'est les fans d'Arafat même qui ont fait capture d'écran pour dire ouais, bouche de Morel a enflé. On dit actuellement Carmen Sama en train de masser de l'eau chaude, battre la tonne, un peu de truc, bien de qualité. Quand ça va descendre là, il va revenir faire direct pour s'expliquer. Depuis quand Arafat fait direct d'une minute 34 secondes? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne se porte pas bien. Et après, il allait sur Snapchat, il a mis un filtre et puis il parle pour ne pas qu'on voit trop l'anglo-battance, la boulance, hein, l'enflance. C'est pathétique. Après aussi, il y a des gens qui m'ont envoyé une photo de Debordo capture d'écran où il a pédé quelque chose. Bon, franchement, vous vous êtes battus. Quand j'ai commencé à parler de ça, il y a des gens qui se lèvent. Genre, ils sont trop, je sais pas. Il n'y a pas eu bagarre, tu mens. Après, eux-mêmes, ils sont venus confirmer. Donc, chacun donne sa version. Mais ce qui est sûr, vous humiliez la Côte d'Ivoire, vous humiliez le mouvement coupé-décalé. Le coupé-décalé, comme Arafat a plusieurs fois dit, c'est une grosse nourriture. Youtubeur mange dedans. Chouin mange dedans. Poclé mange dedans. Artiste mange dedans. Balayeur de bois de nuit mange dedans. Manager mange dedans. Organisateur de spectacle mange dedans. Mais vous, vous êtes en train de tout gâter. C'est-à-dire, c'est un mouvement. C'était buzz, petit à petit, et puis c'est en train de les dépasser, eux-mêmes ils savent pas. Ceux qui pensent que c'est buzz, depuis quand buzz on enfle la bouche de quelqu'un, dites-moi, ils ont rabatté le Ken. Debordo aussi, il a pris truc, bon, voilà. On dit Debordo est en bas de table, bon, ça, moi je sais pas, hein. Moi je sais pas. C'est qu'elle suit, c'est qu'ils se sont achetés. Donc ce qui arrive derrière, c'est une bagarre maintenant, c'est plus guerre musicale. Hein. Arafat a parlé, puis après il dit non. Vous avez demandé guerre musicale, non? Mais hier, comment il causait les morts de la Eurogang? Il parlait, non? Il dit guerre musicale, et puis il y a un qui disait derrière, ce n'est plus guerre musicale, maintenant c'est vraie guerre. Attends, je ne sais pas. Pour avoir le port d'âme en Côte d'Ivoire, il faut l'aval du ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était Ahmed Bakayoko, quand Arafat a eu son arme. Donc, monsieur Ahmed Bakayoko, hé hey, papa, vieux père. Et des gens comme ça là, des gens qui sont toujours dans les vibes, ils sont toujours décalés, ils sont toujours dans les Jack Daniels, ils sont toujours dans les boissons fortes. Petit bafounette, eux, ils sortent leur âme. Faut les retirer le mouvement parce que on a encore d'Ivoire un jour comme ça. Même s'il n'a pas pu tirer directement sur Arafat, même s'il n'a pas pu tirer directement sur Debordo, ça peut prendre quelqu'un d'autre balle perdue dans bafou comme ça. Eux là, ils ne méritent pas d'avoir des armes à feu. Parce que ça, où ils sont en train d'aller, ça va être une vraie guerre. Les gens ont pensé que c'est buzz. Enfin, on a enflé la bouche de quelqu'un, ce n'est plus buzz. C'est pas maquillage, hein? La bouche est bien enflée. Ce n'est plus buzz. Donc, franchement, je ne sais pas qui peut gérer ça. Parce que je sais que Ahmed Bakayoko a parlé à Arafat Abubo. Drouba a parlé. Asalfo a parlé. Tikenja a parlé. Alpha Blondie a parlé. Peut-être même Yaya Touré a parlé à Debordo. Mais ça n'a rien changé. Donc là, ne dites pas que non, les youtubeurs doivent parler. S'il y a buzz! Qu'ils aient frappé Arafat, qu'ils aient frappé Debordo. Si à buzz, moi, j'ai parlé de ça. Si moi, les informations, il y a papoté. Ne dites pas que non, les youtubeurs viennent aggraver la situation. Les artistes du groupe des Calibres, qui peut leur parler? Leurs femmes leur parlent, ils dégagent Moussou. Leurs parents leur parlent, ils dégagent. Les stars même qui leur donnent Jay, ils dégagent. Même Trace même va leur parler. Et ils s'en foutent, et ils s'en grabattent. Donc, youtubeurs, on a dit quoi? La suite du problème, là, c'est ça. Ça va devenir très dangereux. C'est-à-dire, vous allez créer la pagaille, la panique dans les boîtes de nuit d'Abidjan, l'insécurité. Les gens ne pourront même plus s'amuser. Vous êtes armés, Arafat et Debordo. Deux gangsters comme ça qui sont armés. Debordo, dis-lui, les psychopathes. Arafat, lui, se voit dans Dragon Ball Z. Ouais, Daishinkan, le grand prêtre. Franchement. Revenez sur terre. Vous êtes en train de tuer le coupé décalé, de salir votre image. Ben, tu prends du buzz pour élever ta cote. Mais à un moment donné, le buzz va te faucher. Dans ça, là, on espère que quelqu'un ne va pas mourir. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'était moi. Franchement, c'est décevant, c'est désolant. Nous, les youtubeurs, on va continuer de bouffer des dents. Frappez-vous. On vous parle, vous ne comprenez pas, non? Pourvu que quelqu'un ne meure pas dedans d'une balle perdue. Pourvu que l'autre ne se retrouve pas en prison parce que, voilà,
Voilà, mine de rien, on parle, mais c'est vous qui faites le coupé décalé. Arafat et Debodo, même s'il y a Chéné derrière, il y a Beno à côté, il y a Kedjevara, il y a Mix, il y a Safarel, ben c'est vous qui faites le mouvement. Et si vous ne voulez pas réfléchir, si vous ne voulez pas avoir les idées posées, c'est chaud. Voilà. Au revoir.